Nous allons prier ensemble pour ce dernier sujet. Nous allons prier pour nos pays, la Côte d'Ivoire. Le monde des ténèbres s'est levé contre cette nation. Et si nous, en tant que chrétiens, si nous ne nous levons pas pour arrêter cela, c'est pas bon. Nous allons lever la voix et prier pour cette nation. Et tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des décrets qui ont été signés dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous subissons cela aujourd'hui. Alors, enfant de Dieu, fils du royaume, fils du Très-Haut, nous allons prier sérieusement pour cette nation.